Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente parce que je vais tester plein de nouveaux maquillages, mais nouveaux pour moi. Je crois pas qu'il y ait tellement de nouveautés à proprement parler, s'il y en a quelques-unes. Mais le reste c'est plutôt des produits que j'ai jamais testés, qui me faisaient carrément envie et que du coup je viens juste de commander, ou d'autres que j'ai dans mes placards depuis un moment, mais que je veux tester avec vous, donc j'attendais pour les tester. Ça va être un full face de première impression. C'est parti, il y a de toutes les marques, de tous les budgets. J'ai une nouvelle base, un nouveau fond de teint, un nouvel anti-cerne. Je crois que j'ai de toutes les catégories. Une base que j'avais trop envie de tester et que j'ai commandée sur le site de Beauty Bay. Voilà la base de chez Beauty Bay que je voulais absolument tester, c'est la Jelly Grip. Et apparemment, ce serait un super dupe de la Hydro Grip Primer de chez Milk. Donc je voulais absolument tester. Oh, ça sort direct. Ok, elle est épaisse comme la Milk. Je vais la mettre partout. Ah, j'en ai mis dans mes cheveux. Et vous savez, c'est le genre de base qui colle. On a 30 ml, donc c'est une contenance classique. Non mais regardez, elle est archi collante. Elle a l'air vraiment pas mal. Ensuite, on va passer au fond de teint. Et j'ai même des pinceaux à tester. Là, je vous jure, j'ai plein de trucs à tester. J'avais trop envie. En fond de teint, j'en ai acheté chez Normal, de la marque W7. J'ai pris les deux teintes qu'il y avait, mais j'ai l'impression que les deux vont être trop foncés. Donc on va voir, je vais tester. C'est le fond de teint Genius. Il y a 30 ml. Alors j'ai l'impression que celui-là va être peut-être plus rosé. On va voir, parce qu'en fait il n'y avait pas de testeur. Il y avait des testeurs, mais de couleurs qui n'avaient pas en produit vente. Enfin, c'était la cata un peu chez Normal. La fraîche beige, on est sur un sous-ton doré, enfin chaud. Et la Natural beige sur un sous-ton un petit peu plus rosé. Voilà, du coup je vais devoir choisir entre être rouge et être orange. Orange ou rouge? En fait, le problème, c'est que j'ai beaucoup de rougeur, donc on dirait que j'ai un sous-ton très rosé. Mais c'est juste que j'ai beaucoup de rougeur. Si on regarde, par exemple, mon contour des yeux, il est vraiment plus neutre. Ou ma main, par exemple, vous voyez. Et si je faisais un mélange des deux? Attendez, on va tester. Dans tous les cas, ce teint va être une catastrophe. Donc je suis neutre, mais à choisir, je préfère mettre un fond de teint plus jaune que rose. Je vais donc prendre mon éclaircisseur de teint. Là, c'est pas possible hein, de faire sans. Je vais du coup prendre la teinte Fresh Beige. Je vais bien secouer, il a l'air hyper fluide. Et vous savez, il me fait penser à mon fond de teint préféré de chez Catrice. Et attendez, avant que je fasse mon mélange, j'ai reçu ces nouveautés de chez Real Techniques. Les pinceaux sont verts, comme ça. Et je déteste faire ça, mais j'ai pas eu le temps de les nettoyer. J'aime beaucoup. Le manche, vous voyez, il est très sympa. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'on est sur un duo fibre. Je sais pas si on verra bien. Donc, je vais appliquer mon fond de teint avec. Moi, je trouve que les duo fibres, en général, ils font pas mal de traces. Donc, on va voir. Mais je vais pas mettre ça sur mon visage comme ça. Hein. Je vais être orange. Donc, je vais mélanger avec mon éclaircisseur de chez Mina, je crois que ça se prononce comme ça. Du coup, je vais mélanger, histoire d'avoir un fond de teint moins foncé. Parce qu'après, j'ai des bronzers à tester, donc si je suis déjà orange, ça va être une cata. Il est vraiment très fluide. Plus fluide que mon Catrice. Et c'est vrai que j'ai la base qui accroche, je le sens. Attendez, on va faire comme ça, parce que j'ai pas envie d'en avoir dans les cheveux. Je viens de me les laver. Samedi, ma vidéo sur le Dyson arrive enfin. C'est une vidéo que vous me demandez depuis très longtemps. Elle arrive samedi. Bon, j'ai peut-être fait un peu clair. Non, ça va le faire. Ça fait des traces. Là, j'ai plus de traces. Mais les duo fibres, moi, j'ai toujours... ça me fait toujours des traces. J'aime bien les pinceaux très denses, voyez. Et du coup, soit je tapote, soit j'étire, mais au moins, j'ai pas de traces. Alors, je suis pas fan de l'odeur. Pourtant, je suis rarement gênée. Je suis désolée pour le bruit du pinceau. Mais là, je trouve que ça sent le plastique. Alors, au niveau du rendu, pour le moment, j'aime beaucoup parce qu'il est pas trop épais. Il a pourtant une couvrance sympa. Il est pas glowy, je pensais, je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est un beau semi-mat, donc contrairement à ce que j'espérais, il va peut-être me convenir. On va voir maintenant comment il évolue. J'ai un peu peur parce que sur les imperfections, il y a peut-être un poil sec. Un petit correcteur. Donc là, c'est en révolution sur mes imperfections. Je reprends un petit peu en ce moment, mais c'est normal. En fait, je suis en train de commencer un traitement et du coup, malheureusement, là, ce sont des imperfections que je peux pas forcément éviter. Il est trop clair, ça fait pas joli. Je vais mettre le Natasha Denona par-dessus. Du coup, dans le set de pinceaux, je vais voir, j'ai deux petites barrettes et deux autres pinceaux. Alors, un que je vais utiliser pour le blush crème. Oh, regardez là, le pinceau. Je pense que pour l'anti-cerne, ça peut être génial. Ou l'highlighter. Ça, c'est génial, j'ai pas du tout. Ça, je vais l'utiliser, je pense, pour le blush. Alors, le bronzer que je voulais absolument tester, c'est un bronzer que j'ai acheté il y a super longtemps et que j'ai jamais testé parce que je voulais le tester avec vous. C'est le Blurring Bronzer. Déjà, c'est une marque que je connais pas. Je crois que j'ai déjà testé un produit, mais je m'en souviens plus. Les packagings, je trouve qu'ils ressemblent au packaging Révolution un peu. Pas trop fan, je trouve ça très épais, mais on va voir. Oh mon dieu, quelle couleur j'ai pris. Il y avait pas de couleur. D'accord, donc ça devait être teinte universelle. Ça me fait un peu peur, vous voyez. Je le prélève comme ça. Et je teste sur le haut du front parce que c'est là où... Oh my god, c'est chaud. C'est là où... Où le bronzer peut être le plus chaud. C'est
orange. Alors par contre, il s'estompe super bien. Il est archi pigmenté. En n'en prenant pas trop, ça va. Ok, je vais faire du coup maintenant les joues. Je le pose vraiment pas dans le creux, hein, parce que c'est pas du tout en contouring. Je le pose sur les joues, là où je bronzerais naturellement. Pour une peau claire comme la mienne, c'est risqué. C'est pas le bronzer que je vous conseillerais les yeux fermés. Par contre, il s'estompe super bien. Il est très crémeux dans le sens crémeux gras. Voilà le swatch. Alors au moins, un gros point positif, c'est qu'il a pas de sous-ton rouge. Là, on est vraiment uniquement sur un sous-ton chaud orange, jaune-orange. Je vais forcer un petit peu parce que je vais mettre ma poudre Ouda après. Parce que vu que j'ai un nouveau fond de teint, une nouvelle base, j'ai pas envie de tester une nouvelle poudre. Ok, je vais m'arrêter là pour le bronzer. Un blush crème que j'ai à tester. Je l'ai acheté pareil sur le site de Beauty Bay. J'avais déjà un blush de cette gamme que j'aime beaucoup parce qu'ils sont mats. Et du coup, je vous avais dit, j'aimerais bien tester d'autres couleurs. Donc moi, j'avais déjà la teinte Spring. Voilà la teinte Spring. Et j'ai pris la teinte Peaches, qui est beaucoup plus vibrante. Pour le coup, du coup, je crois que la Peaches, je vais la mettre directement sur ma main. L'autre, je le pose directement. Mais là, j'ai peur, c'est trop vibrant. J'en prends un petit peu. Ah oui, bah j'ai bien fait de faire comme ça. Waouh, elle est hyper pigmentée. Là, vous voyez ce que j'ai pris. Un tout petit peu. Et c'est déjà très très vibrant. Mais c'est joli. Et ce que j'aime bien dans ces blushs, c'est qu'ils sont complètement mat. Je sais pas pourquoi là, je force, j'ai envie d'en rajouter. Écoutez, je l'aime beaucoup aussi finalement. Même si avec le rosé, l'autre, au moins j'ai zéro chance de me louper, j'en mets pas mal. Ensuite on va passer à l'anti-cerne qui est archi pas nouveau, mais par contre c'est un anti-cerne que j'avais jamais essayé et qui est en train actuellement de faire le buzz sur les réseaux comme quoi ce serait un anti-cerne génial. J'ai pris la teinte coton. Je crois que je l'ai testé une fois, mais en fait j'avais acheté plein d'autres anti-cernes en même temps et du coup je m'en souviens plus. Je sais plus si je l'ai déjà essayé. Donc il ressemble à ça, c'est l'anti-cerne de chez Hourglass, il s'appelle Airbrush Concealer. Il n'y a rien de marqué sur le packaging, je sais pas trop ce qu'il promet. L'embout est comme ça. Et je vais déjà l'appliquer ici. Mais oui, mais je voulais tester l'anti-cerne. Le pinceau, je veux dire. J'en ai peut-être mis beaucoup là, du coup, pour tester au pinceau. Je pense qu'elle est estompée avec mon éponge. Oh, mais ce pinceau est génial. Il est super doux. Waouh, il est beau ce fard. Je sais quel fard je vais mettre sur ma paupière aujourd'hui. Ça estompe vraiment bien l'anti-cerne, mais je vais quand même passer un petit coup d'éponge ici, histoire d'enlever le surplus et de bien fondre. Je reprends mon pinceau blush, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Au niveau de la couvrance, elle est très très bien. Il s'estompe très bien. Il est un peu épais, mais il est quand même plus fluide que mon Tarte. Et au niveau de la couvrance, je pense que le résultat parle de lui-même. Et je le poudre directement pour éviter que ça bouge. À l'application, je suis très vite convaincue. Hein. Moi, je vois s'il va me plaire en fin de journée, si ça n'a pas filé partout. Parce que c'est ça mon problème, c'est que ça file carrément dans mes plis. Et bah écoutez, il est pas mal du tout cet anti-cerne. Maintenant, je vais poudrer mon teint avec le peu de poudre qui reste dans ma poudre Ouda. Je poudre tout mon teint avec. Je crois que c'est la dernière utilisation de ma poudre. Bon, bah j'ai pas réussi à faire tout mon teint. Je ressors mon backup. C'est toujours la teinte Pancake que je mets sur mon teint. Ah mais oui, c'est vrai, il va falloir que j'enlève tout le tamis. Au début, j'ai peut-être pas forcément besoin, elle est bien pleine là. J'ai vu qu'elle existait maintenant en non parfumé. J'aimerais bien la tester, même si moi j'aime l'odeur de la poudre Ouda. Mais c'est vrai qu'elle est très 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 parfumée. Nickel, j'ai pas besoin d'enlever le tamis pour le moment. Maintenant, je vais passer à l'highlighter. C'est un highlighter que j'ai dans mes tiroirs depuis des mois et des mois de chez Revolution. Je crois que je l'avais déjà testé dans une autre teinte. Là, c'est la teinte Just My Type. Vite fait nettoyer ce pinceau. Je pense que c'est vraiment un pinceau parfait pour l'highlighter pour moi. Ah ouais. C'est vraiment le genre de forme que j'aime. L'highlighter est sympa. J'aime beaucoup. Voilà du coup pour le teint. Je vais mettre mon spray fixateur et ce sera terminé. Je viens de terminer mon teint, il est midi 52 pour vous donner une idée de quand je reviendrai vous faire un point tout à l'heure. Je sais pas si c'est que j'ai oublié de poudrer à cet endroit, mais là, ça commence à pas être beau sur le contour de la bouche. Pour les sourcils, j'ai deux produits à tester. J'en ai un de chez Essence. Je l'avais déjà testé, mais je crois que c'était pas cette teinte parce que là c'est la teinte Ash Brown. Du coup je vais déjà tester celui-ci, si je vous le mets à l'endroit vous verrez sûrement beaucoup mieux la référence. Alors la brosse déjà est beaucoup plus grosse que celle du NYX, la matière a l'air beaucoup plus liquide. J'avais testé une teinte qui était beaucoup trop foncée, là je pense que c'était pas la même parce que celle-ci m'a l'air vraiment pas mal. Il est vraiment sympa, mais je préfère le NYX parce que le NYX est un peu plus sec. Par contre ça a vachement bien rempli je trouve. Il est plus liquide donc il marque plus sur la peau, vous voyez j'ai dû estomper, enfin j'ai dû effacer. Et le deuxième que j'ai, c'est vraiment le même genre de produit, mais de chez Beauty Bay. Quand j'ai fait ma commande, je me suis dit, quitte à tester, autant tester tous les produits que je connais pas. Alors là, j'ai pris la teinte Sable. Il ressemble à ça, il est petit. Alors la brosse est minuscule pour le coup. Mais je préfère une brosse minuscule qu'une brosse trop grosse. Et je vais faire la même. Oula, c'est plus foncé. C'est plus foncé, mais je pense que ça peut le faire si c'est pas chaud. Ici, c'est beaucoup plus naturel, mais ça n'a pas vraiment fixé.
ça a plus comblé, voilà, le sourcil. Alors que là, je sens que ça a vraiment beaucoup plus fixé, mais il est moins comblé. Aussi, celui-ci, c'est celui qui demande le plus de travail au crayon. Ok, c'était vachement plus facile de faire ce côté Beauty Bay que le côté essence, parce qu'en fait, je vous disais que ça fixait pas, mais je pense qu'en fait, c'est une matière qui se plaque, parce que ça reste collant, et dès que je veux estomper, vous voyez là par exemple si j'estompe, ça va un peu décoller, normal, ça a séché. Là vu que ça a pas séché, quand j'estompe, ça estompe pas et ça plaque. Ça fait que mes deux sourcils sont absolument pas pareils. Ils sont jamais pareils, mais bon là vraiment on dirait qu'ils sont pas de la même famille quoi. Tant pis, faites-en pas de cas, regardez-les pas trop, on va passer à la suite. En palette, j'ai reçu celle-ci pour les 25 ans de NYX. Ok, je la trouve pas sur le site français, par contre je l'ai trouvée sur le site... je crois que c'était le site US. Et sur celui-là, c'était marqué que c'était pour les 25 ans de la marque. Donc ça va être une édition limitée qui, je suppose, n'est pas encore sortie en France, mais qui va pas tarder. La palette est sublime et surtout, elle me fait penser à la Utopia, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui est ma palette préférée de chez NYX parce que je trouve que les fards sont géniaux. Peut-être si je vous la montre... Alors, il y a un fard qui... Deux même, qui se sont décrochés. Parce qu'ils sont très crémeux et très poudreux. Mais alors c'est une palette que j'adore. Et là, alors celle-ci, ah mais... Je sais pas si vous pouvez voir la beauté de ce fard. Je pense pas. Comme d'hab, je vais être obligée de prendre mon téléphone pour vous montrer. Dans cette palette, on a toute une partie de neutre, toute une partie de rosé, et là on a des teintes, quelques teintes froides. Et là du coup, je sais pas si vous voyez, mais il y a des teintes qui sont encadrées. Toutes les couleurs qui sont... Ici, ce sont des pigments qu'on n'est pas censé appliquer sur les yeux. C'est très souvent marqué hein, dans les palettes. C'est juste que ça va teinter un peu, vous savez, votre paupière. Moi, je les utilise sur les yeux. Mais je vais vous montrer là. Regardez ce fard. Vous voyez ces paillettes là? De toutes les couleurs. C'est absolument sublime. On a un blanc, on a un beige mat. Et ça, c'est génial. Parce que ça, c'est vraiment deux fards que j'utilise beaucoup. On n'a pas de noir mat, on a un noir pailleté. Ou d'ailleurs, non, on a un noir scintillant. Mais après, c'est vrai que le noir, moi, j'utilise... assez rarement. Par contre, le beige, c'est la base pour moi. J'applique ma base de chez Hourglass. J'avais mis un tout petit peu d'anti-cerne histoire de cacher un peu les veines, mais je l'avais pas poudré. Évidemment, je commence par le fard beige que j'applique sous le sourcil. Il est pile de la couleur de ma peau à cet endroit-là. Je vous avoue que ce que j'ai le plus envie de faire, c'est des fards neutres. Je vais le faire aujourd'hui, mais en fait, je vous explique mon cheminement. J'ai en ce moment très souvent envie d'utiliser du neutre. Les couleurs m'attirent un peu moins, ça dépend des couleurs, mais en général, les couleurs m'attirent un petit peu moins. Mais quand je vois une palette comme ça, je me pose la question de, pour vous, qu'est-ce que vous préféreriez que je teste? Est-ce que c'est les couleurs qu'on utiliserait le plus au quotidien, ou est-ce que c'est justement les autres couleurs plus colorées, les autres teintes plus colorées? N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, comme ça je le saurai pour la prochaine fois. Je vais commencer avec cette couleur-là, je garde le même pinceau, je vais l'appliquer dans le creux. Ouh, je pensais pas que ça ferait cette couleur. C'est vachement jaune. On dirait bien que c'est la même qualité que la Utopia. Je vais l'intensifier avec ce fard là. Je vais le mettre par-dessus, plus dans le coin externe et par-dessus. Pour le moment, c'est très bien pigmenté. Hein. Donc là, je les pose avec un pinceau assez estompeur. Ensuite, je prends le fard marron là, le plus foncé, avec un pinceau un petit peu plus précis. Je l'applique en coin externe. Et voyez comme mon pinceau est moins dense, le fard est de suite plus pigmenté. J'ai pas repris de matière, hein. Je vais revenir un petit peu sur la paupière pour bien dégrader. Déposer un petit peu en coin interne, et je vais faire plus un halo. Et ensuite je vais reporter les mêmes fards en ratil. Mais du coup là je vais faire plus sur le coin externe, même si ce serait plus joli de faire partout. Mais j'ai vraiment envie de voir ce que l'anti-cerne donne sans blinder de fard au-dessus. Et maintenant je vais venir appliquer justement le fard que je voulais trop tester là, donc celui-ci. Ok, il a l'air un petit peu crémeux parce que mon pinceau s'est enfoncé dedans. Je vais pencher ma tête parce que là j'en ai pris trop. Oh, il est archi crémeux, il est sublime. Oh waouh. Oh waouh. Bon, j'en ai pris beaucoup, du coup j'arrive pas trop à estomper. J'ai pas de chute. Bon là je vais estomper, donc je vais vraiment estomper comme ça, parce que quand on estompe des paillettes, forcément ça chute. Il est tellement crémeux qu'il se dépose sur la paupière. On a rarement l'effet qu'on voit dans le fard sur la paupière. C'est très rarement le cas. Là en fait il se prélève tellement bien qu'on a cet effet sur la paupière. Attendez, je réessaye. Wow. Gros, gros, gros coup de cœur sur ce fard. En fait, il faut vraiment pas en prendre beaucoup parce que... Ben en fait, il est pigmenté. J'espère qu'il va pas faire filer mes fards. J'ai mis la base à paupières qui fait le mieux tenir les fards à paupières sur moi. Donc on va voir ce soir si c'est parti dans les plis ou pas. Celui-là, en fait, il a des paillettes de plein de couleurs. C'est ce qui est beau. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est le noir. Parce que le noir, vous savez, c'est une texture de fard mat, mais avec des paillettes dedans. Donc c'est plus scintillant pour moi. Mais alors les paillettes, elles sont dorées, vertes, bleues, violettes, il y en a toutes les couleurs, ça a l'air canon. Ok, voyons voir.
Waouh, celui-là il est sublime. C'est exactement la même formule que celui que j'ai sur les yeux, sauf que c'est des reflets bleutés. Celui-là il est très joli aussi, parce qu'il est lumineux, mais on n'a pas de reflets particuliers. Celui-là il est plus sec, mais il est beau. Purée, ils sont beaux les vins. Et le noir. C'est une texture de fard mat, mais il est rempli de paillettes, c'est sublime. Regardez avec le flash de mon téléphone, on voit les paillettes dans les fards. Et dans le noir, vous voyez? Trop beau. Sublime. Attendez, je vais mettre un fard lumineux en coin interne. Bah, je crois que je vais mettre le blanc mat. Parce que je veux laisser cet accent de lumière sur cette zone-là. C'est trop beau pour mettre un autre point. Donc, je vais mettre le blanc. Bon, avant de faire les lèvres, j'ai un mascara à tester que j'avais acheté chez Carrefour. C'est de la marque Wet n Wild, mais il n'est pas waterproof. Donc, je vais d'abord mettre une petite couche d'un mascara waterproof en dessous, comme d'hab. Oh, pas mal du tout la brosse. Donc, j'ai recourbé mes cils et j'ai mis une couche d'un mascara waterproof. Très fine et pas jusqu'à la racine, non pas jusqu'à la pointe, je me suis concentrée justement sur la racine des cils pour bien fixer la courbure. Et ensuite, où est mon mascara? Si vous saviez le bazar qu'il y a devant moi, là. Maintenant je vais essayer de voir ce qu'il donne, il a l'air vachement chargé en matière. J'essore un peu, enfin j'enlève le surplus. Let's go! Alors moi j'aime les résultats bien chargés. Mais je trouve que c'est indispensable d'avoir un petit peigne comme ça pour séparer si vous utilisez ce mascara parce que vraiment, il dépose beaucoup de matière. Je voulais vous montrer le avant après, c'est pas hyper représentatif parce que il y a la courbure chez moi qui a un énorme impact. Ici on dirait que j'ai quasiment pas de cils. En fait ils sont tellement droits, vous voyez qu'ils sont plutôt longs hein, mes cils. Tellement droits qu'on les voit pas. Je pense même peut-être que vous les voyez à l'inverse en train de plonger vers le bas. Sous une de mes dernières vidéos make-up, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était... Enfin que ça servait à rien que je teste les mascaras comme ça, que c'était carrément de la triche. Parce que je mettais un autre mascara avant, que ça servait à rien, autant s'abstenir. Je me dis que si jamais il y a d'autres personnes qui pensent comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Juste le mascara sans recourber mes cils et mettre de mascara waterproof pour fixer la courbure, vous allez voir que sur moi ça ne sert à rien. Je vais mettre juste ce mascara seul. Heureusement que je sors pas aujourd'hui parce que je préfère ne pas mettre de mascara plutôt que de mettre du mascara sur mes cils non recourbés. Alors c'est exactement ce que je vous disais, ce que je pouvais voir sans faire ça. Le mascara fait des paquets de ouf et là j'ai besoin de séparer avec un petit peigne parce que ça groupe totalement les cils. Voilà le résultat. Moi, connaissant mes cils, je sais que c'est pas le meilleur mascara, mais qui charge vraiment bien. Comme je vous ai dit, il charge bien les cils. Pour une couche, franchement, c'est un bon résultat. Par contre, il fait beaucoup de paquets. Il mériterait d'avoir une brosse qui sépare mieux. Mais voilà, pour vous montrer la différence, avec mes cils recourbés, vous voyez vraiment le résultat que je veux dire. Et avec les cils non recourbés, on ne voit rien, sachant que de ce côté, mes cils sont plus jolis que de ce côté normalement. Recourbé, pas recourbé, voilà la différence. Je suis dégoûtée parce que j'adorais le maquillage. Mais bon, au moins je vous aurais montré sur un jour où je sors pas. Je vais en profiter pour tester le crayon blanc que je vous avais dit que j'avais acheté Wet n Wild, donc à Carrefour aussi. C'est donc le Kohl Eyeliner blanc, il est immense. Je vais le mettre en muqueuse puisque j'ai pas de crayon beige à tester. Et que vu que j'ai mis du fard blanc, je me dis ça peut faire un rappel. D'habitude, je suis pas trop fan des crayons blancs au quotidien, mais là, vu que j'ai mis un fard blanc, pourquoi pas. Donc c'est la teinte blanc éternité. Je le mets en muqueuse. Bah franchement, je préfère largement les crayons NYX. Limite, je le trouve un peu beige, il est pas blanc intense. Pour les lèvres, j'ai cette teinte de chez Tarte. Vous savez, c'est les Maracuja Lip Plump. Je crois que je l'ai jamais essayé celui-là. Et il irait trop bien avec ces teintes. Et en crayon, qu'est-ce que j'ai? La teinte Puffy Nude. Des lip injections, j'en ai déjà un de cette gamme là. C'est pas ma gamme préférée de chez Too Faced, j'ai déjà essayé. Ou alors je l'ai juste swatché, je sais pas. Ok, par contre la teinte elle est géniale. J'ai débordé un peu, je trouve qu'il manque de précision. Vous voyez l'embout est comme ça. Et là ça commence à piquer un peu sur les bords. C'est vraiment la gamme lip injection, donc c'est la gamme qui picote. Ah oui, il est beau. Il a des paillettes rosées. Ah mais il y a des paillettes dorées aussi. Là je vois que les rosées. Ah non, il a des paillettes rosées et dorées. Sublime, là ça picote. Hein. C'est pas le produit Tarte hein, qui picote, c'est le produit Too Faced. Eh ben j'aime trop le résultat, par contre je suis déjà en train de briller. Hein. Le fond de teint et la base, ils sont bah, évidemment pas matifiants. Ni l'un ni l'autre le promettent, mais je suis pas en train de crever de chaud et je brille beaucoup. Voilà ce que ça donne du coup pour le résultat. Je me mets beaucoup de profil, j'ai envie de cacher cet œil parce que vraiment j'aime pas du tout. En tout cas, gros gros coup de cœur déjà sur cette palette. Maintenant on va voir pour le reste comment ça va tenir ce soir, comment ça va évoluer, est-ce que tout va filer dans les plis, est-ce que je vais briller carrément, tout va se déplacer. On fait un point ce soir justement pour voir
ce qu'il en est au niveau de la tenue des produits. Je vous retrouve pour un premier point, il est 19h15 et je voulais faire un point en lumière du jour. Ça fait donc 6 heures que je porte le make-up. Je peux déjà vous dire que le fond de teint et la base ne sont pas du tout matifiants. Et le fond de teint, c'est pas un coup de cœur à la première impression. Je brille beaucoup. À chaque endroit où je me suis grattée, j'ai plus de fond de teint. Parce que vu que je brille, c'est gras et du coup ça déplace tout. Là, mon teint, je sens qu'il faut absolument pas que je le touche, sinon ça va être une cata. Au niveau du contour, pour le moment, il tient bien. Le gloss, j'en ai plus, mais bon, c'est normal. Mais j'ai quand même cet aspect, enfin, il m'en reste quand même un petit peu. C'est pas sec sur mes lèvres et j'ai encore un petit peu de paillettes. Après, j'ai pas mangé. Au niveau des fards à paupières, ça tient très bien. Au niveau du mascara, c'est toujours très bizarre. Pour les sourcils, ça fait toujours un peu collant. Là, c'est pas du tout collant par contre. Le côté Beauty Bay, après, je pense que c'est un peu foncé. Le fond de teint, il commence à partir ici, ici et un petit peu ici. Après, sur le menton encore, ça va. C'est pas trop la cata. Le crayon au niveau de la tenue, c'est zéro. J'ai plus de crayon. Et l'anti-cerne, c'est plutôt pas mal. Ça a un petit peu commencé à filer ici. Mais là, non. Donc là, c'est pas mal. Ah, j'ai touché mon teint. Voilà, je savais qu'il fallait pas que je touche. Voilà, je vais rester encore un petit peu grasse un moment pour voir si ça se déplace. Et je vous fais un point ce soir. Je vous retrouve, il est... J'ai plus de batterie sur ma montre. Minuit et demi, je crois. Ça fait donc à peu près 10 heures. Plus de 10 heures que je porte le make-up, je crois. Là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai eu très chaud. Alors, le teint, non. Le fond de teint, j'aime pas. Je brille, mais de partout. Je sens que ça pourrait être bien mieux au niveau du fond de teint. Je suis pas fan. Fard à paupières, je suis très contente. Ça a tenu, je suis trop trop contente. Je valide à fond la palette. Le contour, bah écoutez, il a plutôt bien tenu. J'ai mangé en plus ce soir. Contour des lèvres, hein, je parle. Et le gloss, bon évidemment, j'en ai plus. L'anti-cerne, en revanche, il a quand même pas mal bougé. Mais en fait, je trouve ça bizarre. Bah qu'au début, ça tenait bien. Et que là, c'est vraiment mes parties, mais totalement. J'ai envie de me démaquiller, d'aller me doucher et me coucher. Mais là, l'anti-cerne, pour le coup, au début, je disais ouais. Et là, non. Donc il faudrait que je reteste une deuxième fois. Là, la première impression, je suis complètement déboussolée. Je sais pas quoi dire. Là, il a pas bien tenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour une vidéo sur le Air Wrap de Dyson. Enfin, bye!